Donc petite gaufrette qu'on est venu remplir avec un terreau comestible fait à partir de poudre d'olive noire et pignon de pin, espuma à la tomate et œufs de truite. Vous allez ensuite pouvoir passer au petit coussin noir qui est un coussin au charbon végétal, faisselle de chèvre frais et gel d'agrumes. Et enfin pour terminer, la petite tartelette au houmous de sésame noir et fleurs potagères. Elle est un peu plus marquée en goût, donc on vous conseille de terminer par la tartelette si jamais. D'accord ? Merci. Je reviens vous voir pour le vin. Donc la cuvée Louane de chez Franck Breton, au Mont-Louis-sur-Loire. Il est accompagné des tagliatelles de courgettes aux agrumes. Vous avez également un gazpacho de concombre et sur le dessus, les tuiles dentelles, les mayonnaises à la laitue de mer. Bonne dégustation. Donc ici le buis qui représente les forêts de Loche, chêne vert pour les chênes truffiers, l'if présent dans les jardins des châteaux de la Loire, la douelle de vin pour les barriques, le noyer en référence au tronc de notre arbre derrière moi, et le dernier, les fondations du pont de Chinon, le bois précieux de plus de 300 ans. Je prends celui-ci. Je vous laisse le prendre, madame, je vous en prie. Donc l'if. Enfin, j'avais pris, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Pain blanc, pain noir ou pain aux céréales, monsieur? Pain aux céréales. Alors, madame, monsieur, vous trouverez donc sur la gauche la poitrine de cochon de la ferme de la Mosellerie, qui se trouve à Locher-sur-Indrois. Elle a été confite pendant 36 heures, puis laquée avec le jus de cochon. Sur le dessus, vous trouverez les petits champignons asiatiques. Donc, les champignons blancs, ce sont les simiji qui sont poêlés au beurre, et les champignons bruns, les nameko, qui eux sont en pickles. Sur la droite, vous trouverez les oignons grelots brûlés, à l'intérieur une confiture d'algues. Et sous ces oignons, il y a un crémeux de shiitake, donc le champignon noir asiatique, qui nous viennent de chez Sophie et Stéphane Crépin à Loche. Et je vous ajoute ici un bouillon façon dashi, donc avec cochon, herbes aromatiques, algues et champignons. C'est une bonne dégustation, messieurs dames. Donc voilà, messieurs, ensuite la déclinaison de tomates. Donc, le chef vous conseille de débuter par le petit ramequin sur votre droite. Sorbet, tomate, céleri, crumble au basilic, et en dessous un espuma de fromage de brebis du Lochois. Dans la seconde assiette sur la gauche, ensuite la tomate confite, avec à l'intérieur brebis du Lochois aux herbes. Et autour, vous trouverez un gel de tomates fermentées. Je vous ajoute ici gazpacho, qu'à la tomate. Et pour terminer avec l'assiette qui se trouve un petit peu plus haute, la tomate cœur de bœuf, qui elle a été snackée. Avec sur le dessus le fromage de brebis du Lochois, toujours le brosse au thym, croûton de pain à l'ail, un pistou de basilic et une pâte tomate et gingembre. Bonne continuation à vous. Donc aubergine confite puis grillée. Sur le dessus vous trouverez différentes graines, lin, sésame et tournesol. Sur la droite un crémeux d'aubergine et je vous ajoute ici une crème de cumin perlée à l'huile de livèche, qui est une plante qui va ressembler au céleri branche, la livèche. Alors, juste en face de vous, vous allez retrouver le maigre de ligne qu'on est venu rôtir sur la peau. Donc, elle a la peau bien croustillante, vous pouvez la manger si vous souhaitez. Le maigre, on le sert avec une caponata, donc un petit peu dans l'esprit d'une ratatouille italienne revisitée. On est venu la twister avec un petit peu de vinaigre balsamique. Il y a également des ingrédients qu'on ne retrouve pas habituellement dans la caponata, notamment les framboises, évidemment. Vous allez également y retrouver du poivron rouge et aubergine grillée. On est venu également y déposer un petit peu de pickles d'oignon rouge pour apporter de l'acidité. La petite poudre rouge juste en haut se mange également, c'est une poudre de poivron rouge et fleurs de capucine. Pour terminer, je vais venir verser ce petit jus d'arête rôti au safran de Touraine. Donc ensuite, vous trouverez le pigeonneau de Racan, donc la petite appellation qui se trouve au nord de Tours. Dans l'assiette à côté, la cuisse de pigeonneau, confite puis grillée au barbecue. Sur le dessus, sarrasin soufflé et en dessous, sabayon de betterave. Dans l'assiette sur la gauche, le pigeonneau cuit sur le coffre également au barbecue. Tout au-dessus, un crémeux de foie de pigeonneau. Et en dessous, vous trouverez la betterave fondante, purée de betterave et copeaux de betterave shuga, un risotto de sarrasin qui nous vient de chez Philippe Joubert, notre céréalier bio à Besse-le-Château également, pickles de mûres sauvages et de graines de moutarde et gel à la sauge cassis. Je vous ajoute jus de pigeonneau aux épices.
Très belle continuation à vous, Marcella. Pour le dessert au concombre, moi je vous conseille de commencer par le petit granité juste ici. C'est un granité céleri et concombre avec un gel de pomme. La petite glace juste ici, c'est une glace au yaourt, huile d'olive et poudre verte qu'on a obtenue à partir de la peau des concombres. Et enfin, dans la grande assiette, vous allez retrouver un parfait à l'agastache, qui est une plante très similaire au pourpier, avec un goût de mâche. Vous allez trouver également un tartare de céleri, pommes et concombres, siphon au concombre, ruban de concombre cuit au sucre et un petit peu de gel de pomme pour apporter un petit peu d'acidité. Vous allez également retrouver des opalines. Opalines, c'est les petites plaques de sucre qui vont vraiment apporter cet aspect un petit peu dessert. Donc madame, pêche de vigne, noisette et sarriette. Donc sur le dessus, le sorbet pêche de vigne à la fleur d'hysope, qui est la petite fleur mauve que vous trouverez autour, qui a un goût mentholé. Également un gel de mezcal, qui est un alcool donc originaire du Mexique, comme la tequila mais plus fumée, et tuiles de noisette autour. Vous apercevez pardon, également une mousse blanche, c'est un espuma de millet torréfié à la sarriette. Tout en dessous, un petit peu caché, pêche de vigne fraîche et compotée, pêche mezcal, praliné noisette et sablé breton, noisette et sarriette. Je vous ajoute le coulis, pêche de vigne, de nouveau à la fleur d'hysope, petit côté mentholé. Et monsieur, le dessert autour de la figue, la noix et le romarin. Tout au-dessus, autour la tuile à la noix. Au centre de l'assiette, une crème glacée aux feuilles de figuier. La figue fraîche en marmelade et en gelée. Mousse de romarin et gel romarin. Noix caramélisée et poudre de noix. Et je vous ajoute ici un caramel cardamome et cannelle. Petite mignardise, juste ici vous allez retrouver des biscuits à la confiture de lait. Vous retrouverez ensuite des petites guimauves anatées chartreuses. Par ici, chocolat infusé à la rose. Et enfin, pour terminer, pâte de fruits mirabelle et sucre aux fleurs. Bonne fin de repas.